Je m'appelle Tijani Anan, je joue avec l'Union sportive de Ben Garden, j'ai 22 ans et je suis un milieu offensif polyvalent. Les ambitions du Bénin, comme vous le savez, on a jamais gagné un match à la CAN, donc il va falloir tout donner. Déjà, on va jouer contre les champions d'Afrique en titre. Donc, c'est déjà un plaisir et on va pouvoir donner tout ce qu'il faut et ne pas baisser les bras et jouer ce match jusqu'à fond, jusqu'à la dernière minute. Je crois que comme on l'a fait, et on s'est basé sur notre collectif pour se qualifier, il va falloir encore être plus solidaire et se battre l'un pour l'autre. Et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Le joueur le plus calme, je ne saurais le dire, il y en a beaucoup. Donc je ne saurais dire qu'il y a vraiment un joueur qui est très calme. Bon, je peux par exemple citer Rodrigue Cossi, je le connais très bien, on est ensemble en Tunisie, il est calme. Et il y a d'autres joueurs aussi. Le plus râleur, je dirais Olivier, il aime bien taquiner et tout. Sinon, il y en a beaucoup aussi qui taquinent et tout. Celui qui met l'ambiance, je dirais, je vais choisir, je sais pas qui choisir exactement. Je peux dire par exemple Steph. Steph, il aime bien qu'on mette de l'ambiance et tout. C'était le match contre le Mozambique. On menait 2-0. Je pensais qu'on allait pouvoir gagner ce match et finalement on s'est fait rattraper au score. L'homme de Dantopa, je sais pas, je viens de l'entendre, mais j'ai beaucoup joué à Dantopa, j'ai grandi à Dantopa. Et je crois que s'il m'appelle l'homme de Dantopa, c'est parce que j'ai passé la majorité de mon enfance à Dantopa. Donc j'ai beaucoup joué sur le terrain de Dantopa. Je dirais Moussa Latounji. Je dirais à tout le peuple béninois que déjà on va tout donner pour leur faire plaisir à la CAN. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme ils nous ont soutenus, surtout au dernier match et pour la qualification, il va falloir qu'ils nous soutiennent de la même manière et on pense qu'on va aller le plus loin possible.